Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, François Desnoyers est un artiste consacré. Formé aux arts décoratifs, il y est devenu professeur et ses œuvres sont exposées au Musée national d'art moderne. Il aime se rendre à Sète en villégiature, où il s'installe avec son épouse Souza au lendemain du conflit. Autour de lui et de Gabriel Couder va se former le groupe Montpellier 7, qui réunit plusieurs peintres actifs dans le Languedoc. Cette représentation de la plage de la Corniche témoigne de la grande attention portée par le peintre à la composition. Au centre, au premier plan, un groupe de quatre personnages organisés en triangle équilibre la toile. Partout, des corps brunis éclatent de santé. Bain de soleil, jeu de ballon, voile, la plage est le lieu des joies simples. Elle est l'expression d'un bonheur populaire, d'une société des loisirs pour tous rendue possible à la veille de la guerre par le Front populaire que Desnoyers avait déjà célébré lors de sa participation à l'exposition internationale de 1937. Pour Desnoyers, avant le dessin, la forme naît de la couleur ou du contraste entre les couleurs. Les postures tendent au schématisme et les visages perdent leurs traits pour se réduire à des formes colorées. Souza est seule reconnaissable à son nez busqué et à son abondante chevelure brune, nymphe moderne aux formes sculpturales. Les jeux de proportions entre les corps, ou bien entre les éléments du décor, église plaquée sur le ciel, silhouette orangée du relief montagneux dans le soleil couchant, tente sur la plage, multiplient les effets de collage en même temps qu'ils concourent à une exaltation de la vie.